والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous avions effectivement, il y a 15 jours, abordé la vie de Adam alayhi salam, qui était le premier être humain, mais aussi le premier prophète qui a été choisi par Dieu pour répandre sa lumière, la foi, l'islam sur le globe terrestre. Ça a bien marché puisque les enfants de Adam croyaient en un Dieu unique. Ils n'adoraient que lui. Ils croyaient fermement qu'après la mort, ils allaient retrouver leur Seigneur et qu'ils allaient partir au paradis. Ça ne les a pas empêchés parfois de faire des erreurs, des péchés, des bêtises. On l'a vu avec l'un des fils de Adam, Qabil, qui a été jusqu'à assassiner son frère Habil. Donc, il y a eu évidemment des erreurs, des crimes qui ont été commis sur terre, mais à aucun moment donné, au départ, un des enfants de Adam, un des petits-enfants, un des descendants de Adam est sorti du chemin de ce qu'on appelle At-Tawhid, qui signifie la croyance en un seul Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, il se passe quelque chose de dangereux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné un détail qu'on ne trouve pas dans le Coran. On sait dans le Coran qu'à l'époque du prophète Noé, Nuh, les gens se sont écartés du tawhid, de la croyance en un Dieu unique. Autrement dit, ils ont commencé à adorer des statues. Combien y a-t-il eu de temps, d'années, de siècles entre Adam et le prophète Nuh, qui est le prophète suivant qui a été envoyé? Il y a eu, nous dit le prophète, 10 générations. 10 générations, ça veut dire, vous comptez en fait, la première génération, ce sont les parents, les enfants, c'est la deuxième génération, les petits-enfants, la troisième, les arrière-petits-enfants, les quatrièmes, les arrière-arrière-petits-enfants, la cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à la 10e génération. Moi, par exemple, j'ai mon papa qui est né en France, mon grand-père, c'est lui qui est venu du Maroc en France. Donc, combien de générations se sont retrouvées en France? Ben, vous aviez mon grand-père, la première, mon père, la deuxième, et moi, je suis la troisième. Je suis la troisième génération dans ma famille à avoir vécu en France. Peut-être que toi, tu es la quatrième. C'est peut-être ton arrière-grand-père qui est venu, peut-être du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, peut-être, je ne sais pas, du Sénégal, peut-être de Malaisie, peut-être tu es la cinquième, la 10e génération, c'est ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui est venu en France, avant il était en Espagne, en Angleterre. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais quand on dit 10 générations, ça fait combien d'années? C'est ça qui nous intéresse. Généralement, une génération, c'est 30 ans. C'est-à-dire, on a un enfant à l'âge de 30 ans. Et notre enfant, après 30 ans, il a un enfant. Donc, entre deux générations, il y a généralement une trentaine d'années. Ce qui veut dire qu'il y a eu environ 10 fois 30 ans, 300 ans, 3 siècles, entre Adam et Noé. Mais, si nous, généralement, nous vivons à peu près 70 ans, 80 ans. À l'époque de Noé ou à l'époque de Adam, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Noé, par exemple, il a vécu au moins 1000 ans. Je répète, Noé, Noé, alayhi salam, il a vécu au moins 1000 ans. Donc, est-ce que on a eu 300 ans? Ou bien peut-être beaucoup plus,
Parce que les gens vivaient plus longtemps, peut-être qu'ils se mariaient plus tard, peut-être qu'il y a eu 500 ans, 600 ans, 1000 ans, 3000 ans. En fait, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'entre Adam et Noé, il y a eu 10 générations et donc énormément de gens ont vécu dans le droit chemin. À un moment donné, alors les parents enseignent à leurs enfants la religion de Adam, croire en un Dieu unique, qui est la religion de tous les prophètes. Mais que s'est-il passé? Comment les gens ont fini par s'écarter de cette religion de Dieu de Adam? Et qui les a poussés à s'écarter de cette religion? Bon, évidemment que ceux qui se sont, enfin, celui qui est à l'origine de cet égarement, de cet écart, de cette sortie du chemin droit, c'est le diable. On le sait, le diable avait réussi à pousser Adam à manger de l'arbre, à commettre la première faute. Il a poussé Abel à tuer son frère. Et avec le temps, il va pousser certaines personnes à ne plus adorer Dieu uniquement, mais adorer des statues. Comment ça s'est passé? Il y avait des gens qui étaient très, très, très pieux, qui adoraient Dieu mieux que les autres. Il y avait des gens qui étaient excellents dans leur comportement. Il y avait des gens qui priaient beaucoup, jeûnaient beaucoup et faisaient beaucoup de bien autour d'eux. On appelle ça des modèles, des exemples, des gens exceptionnels. On dit des modèles. Tout le monde les aime, les admire et on veut leur ressembler. Ce sont nos guides. Aujourd'hui, ceux qui sont mis en avant, ceux à qui on veut ressembler dans notre société, comment on les appelle? On les appelle les célébrités. On les appelle les stars. On les appelle parfois même les influenceurs. N'est-ce pas? Ces gens, s'ils ont un bon comportement, ils vont vous pousser à avoir un bon comportement. S'ils ont un mauvais comportement, ben vous allez leur ressembler. C'est pour ça que nous, on doit choisir des modèles dans le bien. Et les meilleurs modèles, ce sont les prophètes. Bon, que s'est-il passé? Il y a eu à peu près cinq personnes qui étaient exceptionnelles, admirables, qui influençaient les gens dans le droit chemin. Ils n'étaient pas prophètes, mais ils étaient excellents. Dieu va nous citer leurs noms. Le premier s'appelle Oued, le deuxième Soua, Yaouth, Yaouq et Nasr. Bon, ce sont des noms un peu bizarres, hein, je suis d'accord, mais Dieu les a cités. Ces gens ont réussi leur vie et tout le monde les appréciait. Ils ont fini par mourir. Les gens ne les ont jamais oubliés. Au contraire, à chaque fois qu'ils éduquaient leurs enfants, ils leur disaient « Soyez comme Oued, Souaï, Yaouth, Yaouq, Nasr. Ressemblez-leur. Ce sont nos modèles. Ils nous ont transmis la religion de Adam. » Jusque-là, tout va bien. Avec le temps, les enfants, les petits-enfants, ils ont pris une décision. Pour ne pas oublier nos ancêtres, nos modèles, nous allons les dessiner. Jusque-là, ce n'est pas tellement un problème. Mais avec le temps, ils ont fini par faire des statues de ces gens-là. Leur intention était bonne, c'était de ne jamais les oublier. Jusque-là, on peut dire ça va. Mais que va-t-il se passer par la suite? Le diable, le shaitan, va leur dire, mais attendez, au lieu de demander des choses à Dieu, parfois il vous les donne, parfois il ne vous les donne pas. Vous demandez d'être riche, tout le monde ne devient pas riche. Il se peut que Dieu refuse de te rendre riche, parce qu'il vaut mieux que tu restes pauvre. Vous voulez avoir des enfants, mais parfois Dieu ne vous en donne pas, ou pas autant que vous voudriez. Parfois vous voulez être en bonne santé, mais Dieu veut que vous soyez malade. En fait,
Dieu n'accepte pas tout ce que vous demandez parce que vous n'êtes pas proche de Dieu. Vous n'êtes pas excellent. Dieu ne vous aime pas assez. Si vous voulez que Dieu réponde à vos demandes, vous devez vous adresser à ces modèles qui, eux, vont parler à Dieu. Il vous faut des intermédiaires. Vous savez, c'est comme quand vous faites la queue. Imaginez-vous que vous faites une queue au magasin et vous êtes pressé. Vous voulez passer devant. Et vous avez quelqu'un dans le magasin, le responsable du magasin qui vous connaît. Et vous lui dites, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire passer devant parce que je suis pressé? Et lui, comme il est respecté, il va vous faire passer devant et les gens vont se taire. Cette personne, c'est votre intermédiaire. Il vous a aidé. On dit, c'est votre intercesseur. Il a intercédé, c'est-à-dire qu'il est parti vous faire du bien parce que c'est quelqu'un de respecté et d'aimé par le grand chef du magasin. Sans lui, vous n'auriez pas pu obtenir ce que vous voulez. Ou bien vous êtes dans la classe et votre professeur a décidé de vous faire un devoir, un contrôle la semaine suivante. Et vous n'êtes pas content. Vous n'aurez pas le temps de réviser. Bref, vous ne voulez pas, vous voulez repousser ce contrôle. Mais vous savez très bien que si vous vous demandez au professeur, il n'acceptera pas. Mais vous savez pertinemment que dans la classe, il y a un élève que le professeur aime par-dessus tout. C'est le chouchou de la classe. Et vous dites, au lieu de m'adresser au professeur, j'ai un risque d'être rejeté, que ma demande soit refusée, je vais passer par cet élève et je suis sûr et certain que lui, il a plus de chances que moi d'avoir gain de cause qu'il soit accepté. Et effectivement, vous passez par lui, lui demande au professeur et le professeur, parce qu'il aime bien, parce qu'il ne lui refuse rien, va dire, écoutez, finalement, parce qu'un tel me l'a demandé, on va repousser le contrôle à dans 15 jours. Donc, le diable a dit dans la tête des gens, si vous voulez obtenir tout ce que vous désirez, alors vous devez passer par les gens que Dieu aime. Alors évidemment, ils ne sont plus présents, mais leur statut est là. Demandez au statut, et comme Dieu aime ces gens-là, il aime ses statuts, il vous donnera ce que vous voulez. Ou bien ces statuts vont demander à Dieu et vous, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et puis, bien évidemment, ces statuts, elles veulent quelque chose en échange. Vous devez leur faire des offrandes, leur offrir des choses. Quoi ? Peut-être de l'argent, peut-être un animal que vous allez sacrifier, un mouton, une chèvre. Ils ont inventé, le diable leur a mis des idées bizarres, farfelues, loufoques, étranges, qui les ont poussés à ne plus s'adresser à Dieu directement, à ne plus penser que Dieu est le seul qui peut répondre à leurs demandes. Ils ont fini par penser qu'ils devaient passer par des intermédiaires, des intercesseurs, des médiateurs. Ce sont ces statues qui représentent les cinq grands croyants qui avaient existé avant eux. C'est ainsi que le diable a réussi à pousser les gens, petit à petit, à s'écarter de l'adoration d'un Dieu unique. Et ils sont tombés dans ce qu'on appelle l'associationnisme. Ashirk, Ashirk, ça signifie que tu penses que quelqu'un d'autre que Dieu a un pouvoir sur toi. Qu'une statue peut te faire du bien ou du mal, qu'une statue peut te rendre riche ou pas, qu'une statue peut te donner beaucoup d'enfants, qu'une statue peut te donner la santé, l'intelligence, etc. C'est ainsi que Nuh alayhi salam apparaît dans une société où les gens adorent les statues. Et lui, son objectif, sa mission, c'est de pousser les gens à raisonner, à réfléchir, pour qu'ils comprennent
que le seul qui peut influencer leur vie, le seul qui peut leur donner le bonheur, la richesse, la santé, c'est Dieu et Dieu seul. Et que ces intermédiaires ne servent absolument à rien. Au contraire, ils mettent en colère Dieu. Parce que, au final, on pense que ces statues sont aussi fortes que Dieu, que ces statues ont les mêmes pouvoirs que Dieu. Et donc, on est en train de rabaisser Dieu. Parce que Dieu est de tout le monde, personne ne lui ressemble, personne n'a son pouvoir. Et Noé va tenter pendant 950 ans, je répète, pendant 950 ans, il va tenter de remettre dans le droit chemin son peuple. Il va tout essayer. Vous savez, quand on a une mission, un objectif, une ambition, on a de la volonté, rien ne nous arrête. On n'a pas peur de faire des efforts et de les faire longtemps pour atteindre notre objectif. Noé, il aurait pu se dire après 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien. Ils ne comprennent rien. Mais vous savez ce qu'il disait ? Au fond de lui, j'ai espoir que les enfants de ces gens, eux, comprennent. Même si les parents ne veulent pas m'écouter, même si les parents sont réfractaires, réticents, hermétiques, c'est-à-dire ils sont sourds, ils n'entendent rien, ils sont aveugles, ils ne voient rien, peut-être que leurs enfants vont changer. Tous les prophètes avaient cet espoir. Tous les prophètes se sont battus, corps et âme, sans baisser les bras, à l'exception d'un seul. Bon, ce n'est pas le sujet, mais il y a un prophète qui va baisser les bras. Bon, je vais vous le dire quand même, mais je termine avec Noé. Noé ne baisse pas les bras. Dans le Coran, Allah nous dit qu'il a saisi toutes les occasions pour guider son peuple. À chaque fois que les gens se rassemblaient, il s'invitait dans leur rassemblement, dans leur réunion, dans leur fête, pour parler avec eux. Quand il y avait un mariage, quand il y avait un décès, quand il y avait une fête, quand il y avait une conférence, quand il y avait un jeu, il était toujours là pour prendre la parole et tenter de guider les gens. Mais quelle a été la réaction des gens ? Quasiment tout le monde se moquait de lui. Ils bouchaient leurs oreilles. Vous savez ce qu'ils faisaient ? Quand ils venaient, parce qu'ils venaient tout le temps, Noé, quand ils venaient, les gens en avaient tellement marre d'entendre toujours la même chose que quand il arrivait, ils mettaient leurs doigts dans les oreilles et ils se couvraient de leurs vêtements. Ils mettaient leurs vêtements sur leur visage, c'est-à-dire on ne veut pas te voir et on ne t'entendra pas, on ne t'écoutera pas. Il a essayé de les raisonner en public quand ils étaient tous ensemble. Et ensuite, il a essayé d'aller leur parler en privé, chacun à leur tour, chez eux. Il va frapper à la porte et il discute avec les gens chez eux. Parce que parfois, on est avec des gens, on est dans un groupe et on n'a pas tous les mêmes idées, mais on a honte de donner notre avis. Tous les gens disent quelque chose, nous on n'est pas d'accord, mais on n'ose pas aller à contre-courant de la majorité des gens. Donc il s'est dit peut-être que si je vais les voir un par un, ils vont avoir le courage de me dire la vérité et ils vont peut-être me suivre, mais en secret, mais rien à faire. Il a dit peut-être que leurs enfants vont changer et il va essayer avec les enfants. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que les parents disaient aux enfants de ne pas écouter Noé. Ils mentaient au sujet de Noé.
Ils disent à leurs enfants, Noé, il est fou. Il est possédé, il a perdu la tête. Noé, il est malade. Il ne faut pas l'écouter. Il est un peu dérangé de l'esprit. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont fait passer pour un fou. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains ont quand même suivi Noé. Et vous savez qui sont ces gens? Ceux qui étaient les plus faibles dans la société, ceux qui étaient persécutés, ceux qui étaient rejetés par les tout-puissants. Et ça a toujours été comme ça avec les prophètes. Les premières personnes qui vont accepter le message de Dieu et des prophètes, ce sont ceux qui souffrent. Parce que quand tu souffres, tu veux être sauvé. Quand on se moque de toi tout le temps, tu aimes entendre que quelqu'un t'apprécie. Tu veux avoir un ami. Quand on te dit que tu ne vaux rien, tu recherches une personne qui va te faire des compliments, qui va te valoriser. Et la religion, Allah, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit, je vous aime. Même si tu es pauvre, je t'aime. Même si tu n'es pas beau aux yeux des gens, je t'aime. Même si tu es handicapé, je t'aime quand même. Parce que ce qui fait ta valeur, ce qui fait ton importance, ton mérite, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas que tu sois blanc ou noir, petit ou grand, gros ou maigre. C'est que tu as un cœur qui est pur. Et ça, on en avait parlé quand on a raconté l'histoire de Adam. Le plus important, c'est ce que Allah regarde, c'est ton cœur. Et ceux qui étaient les moins méchants, ce sont forcément ceux qui sont victimes de la méchanceté des autres. Et donc, les premiers qui vont devenir musulmans, ce sont des gens qui ressemblent à Bilal. Bilal, ça a été un des premiers musulmans. Bilal, c'était un esclave. Ce sont des gens comme Khabbab ibn al-Arat ou Suhaib al-Rumi ou Abdullah ibn Mas'ud. Les premiers compagnons, les plus nombreux parmi les compagnons au début de l'islam, ce sont les faibles. Parce que l'islam vient leur donner de l'importance et leur apporte du réconfort. Parce qu'ils sont tristes, ils subissent la méchanceté des gens. Vous savez ce que vont dire les riches, les puissants de la société? Ils vont dire à Noé, bon, tu veux qu'on devienne musulman? Tu veux qu'on te suive? Il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas de ces gens avec nous. Tu écartes, tu rejettes, tu exclus les misérables de la société, les serviteurs, les servantes, les ouvriers, les esclaves, les pauvres, les malades. Tous ces gens, on n'en veut pas. Si tu veux qu'on te suive, on ne veut pas faire la prière à côté de ces gens-là. On ne veut pas être sur un même pied d'égalité que ces gens-là. Et puis d'ailleurs, si on devient croyant et musulman, ça signifierait qu'eux, ils nous ont dépassés. Ils ont trouvé la vérité avant nous, mais ce n'est pas possible. C'est inconcevable. On est plus intelligent qu'eux. Si la religion était la vérité, nous, on est plus intelligents que ces gens-là. Eux, ils n'ont pas été à l'école, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils sont bêtes, stupides. Donc, si c'était la vérité, c'était un grand bien ce que tu nous proposes, Noé. On aurait été les premiers à t'accepter. Et eux, ils n'auraient pas compris ce que tu dis. Et ils n'ont pas compris, ces gens-là, que Allah ne guide pas celui qui est intelligent, celui qui est riche. Il guide celui qui a un cœur pur, celui qui n'a pas de méchanceté dans son cœur. Mais Noé a continué. Et alors, il aura répondu, hors de question, ces gens, ce sont des croyants, ce sont des musulmans, jamais je ne les rejetterai. Ils ont voulu aller vers Dieu, je ne peux pas les rejeter. Quand ils ont compris que Noé ne voulait pas rejeter ces gens, qu'il ne voulait pas se taire et qu'il allait continuer à leur dire que l'adoration des statues,
que la méchanceté, c'est pas bien. Il allait continuer à leur faire la morale, leur donner des leçons. Ils en ont eu plus que marre. Ils ont dit « Noé, si tu n'arrêtes pas, on va passer aux choses sérieuses. Si tu ne cesses pas de nous embêter, alors nous allons te lapider, prendre des pierres et les jeter sur toi. On va te frapper. » Noé, pendant des centaines d'années, 950 ans, il va tenter de guider son peuple. Les parents comme les enfants. Mais les parents ont instrumentalisé, conditionné, manipulé, bourré le crâne des enfants de sorte que, en fait, dès leur plus jeune âge, ils détestent Noé. À cause de qui ? Pas à cause de Noé. Noé, c'est quelqu'un de bien. Mais parce qu'ils ont été victimes de cette manipulation. Un peu comme aujourd'hui, ce que font certains médias à la télé, certains journalistes, ils mentent sur les musulmans, ils mentent sur l'islam, ils disent tout et n'importe quoi sur le prophète, ils inventent. Et donc les gens ont peur de l'islam. Ils pensent que le prophète Mohammed, c'est quelqu'un de méchant, méchant avec les femmes, qui tue les gens, les innocents. Ils ont fait ce qu'on appelle une propagande. Ils ont déformé la réalité. Ils ont sali l'image des prophètes et de ceux qui les suivent. Et ça a fonctionné. Sauf une petite minorité de gens qui ont suivi Noé. À un moment donné, après 950 ans, il a tout essayé. Ça ne marche pas avec la majorité des gens. Allah va lui dire « Ô Noé !» Alors évidemment, ils ont voulu aussi le tuer, lui jeter des pierres. Donc ça devenait dangereux pour lui. Allah va dire à Noé « Ô Noé, maintenant je vais t'annoncer quelque chose. Plus personne ne va croire en toi. Plus personne ne va te suivre. Les seuls croyants musulmans, ce sont ceux qui t'ont déjà suivi. Je t'annonce, car je connais l'avenir, que tous ces gens sont têtus, obstinés, ils ont la tête dure, un cœur de pierre, ça ne sert plus à rien de leur parler. Là, tu perds ton temps. Maintenant, Noé, ta nouvelle mission, c'est de sauver et de t'occuper et de prendre soin de ceux qui t'ont suivi. Ne gaspille plus ton énergie, ta salive, avec ceux qui ne le méritent pas. Occupe-toi de ceux qui en valent la peine. Et Noé, il faut que tu construises un immense bateau, parce que ces gens-là vont être punis par Dieu. Je vais les punir. Et je ne vais punir que les méchants. Il faut que tu construises, tu fabriques un immense bateau. On appelle ça une arche. Parce qu'il va y avoir un déluge. Je vais noyer, inonder toute la région où toi et ton peuple vivent. Et je veux protéger les innocents, c'est-à-dire ceux qui t'ont suivi, c'est-à-dire les animaux, parce que les animaux, ils sont innocents. Et comme tout va être noyé, les animaux vont mourir, et on a besoin des animaux pour repeupler la région. Donc tiens-toi prêt. Maintenant, concentre-toi avec le groupe des croyants à la construction de l'arche. Et ça va prendre des années. C'est peut-être le premier au monde à avoir construit un bateau. C'est Allah qui lui a indiqué les plans de construction du bateau. Dieu nous dit dans le Coran, enfin, il nous dit qu'il a
donné comme consigne à Noé de construire le bateau. Tu vas construire le bateau sous nos yeux et d'après les indications que nous allons te donner. Parce qu'ils ne savaient pas comment fabriquer un bateau. Il n'y avait pas la mer juste à côté. C'est donc le premier qui va construire, fabriquer un bateau. Et à ce moment, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de mer. En tout cas, dans l'endroit où ils fabriquaient le bateau, il n'y avait pas de. Généralement, quand on construit un bateau, c'est à côté de la mer, de l'océan. On ne va pas construire un bateau dans un désert ou à 500 km de la côte. Parce qu'après, il va falloir tirer le bateau. Ça n'a pas de sens. Et donc, quand il a commencé à construire, à fabriquer le bateau avec les croyants, qu'est-ce que son peuple a dit? Quelle a été leur réaction? Ils ont été étonnés. Mais que se passe-t-il? On n'en croit pas nos yeux. C'est bien le Noé qui, pendant 950 ans, passait son temps à nous embêter, à nous parler. Tout à coup, il arrête. Tout à coup, il a changé de métier. C'est plus un prophète, c'est devenu un menuisier. Et ils vont se moquer de lui, surtout que il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu construis un bateau? C'est que vraiment tu étais complètement fou, dérangé. Et à chaque fois qu'il passait à côté de Noé et des croyants, il se moquait d'eux. Et Noé et les croyants leur répondaient, si vous vous moquez de nous en ce moment, sachez que un jour nous nous moquerons de vous. Comme le dit le proverbe, rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer des gens, parce que ça peut se retourner contre nous. Quand tu te moques de quelqu'un, il se peut qu'un jour, il t'arrive la même chose. Il se peut qu'un jour, tu regrettes. Se moquer, ce n'est pas bien. Allah a dit dans le Coran, ne vous moquez pas les uns des autres, car il se peut que la personne qui est victime, celle dont vous vous moquez, elle soit meilleure que vous. Donc tu as fait du mal à quelqu'un que Dieu aime. Donc Allah va peut-être te punir. Il ne faut pas se moquer, si on se moque, il faut demander pardon. Quand l'arche a été achevée, Allah a dit à Noé, quand je te montrerai un signe, une alerte, tu sauras que c'est le moment d'embarquer, toi, ta famille, les croyants et les animaux. Alors, je vais revenir sur l'histoire des animaux. Allah lui a demandé de prendre de chaque espèce animale un couple, un mâle, une femelle. Comme ça, ils vont pouvoir refaire des petits après. On ne va pas sauver tout le monde. Non, c'est impossible. Il n'y aura pas assez de place. On va prendre simplement un couple pour sauver les espèces. Il fait partie de notre religion de prendre soin de la nature et de prendre soin des animaux. Préserver les espèces, parce qu'une espèce, elle n'est pas éternelle. Elle peut s'éteindre. L'extinction et la disparition des espèces. Comment une espèce peut disparaître? Avec une catastrophe naturelle. Par exemple, on dit que les dinosaures ont disparu à cause d'une météorite qui est venue percuter la Terre. Ça a provoqué une catastrophe naturelle, ils sont morts. Ça peut arriver. Comme catastrophe naturelle, ça peut être un incendie. Il y a 2 ans, en Australie, il y a eu le plus grand incendie du siècle. Des millions et des millions d'hectares de forêts ont été ravagés par les flammes. Et des centaines et peut-être des milliers d'espèces ont été décimées. Les plantes et les animaux. Et parfois, c'est l'homme qui est responsable. Et ça a souvent été ça. Par exemple, en Amérique, il y a une espèce qui a failli disparaître à cause des cow-boys. Les cow-boys, quand ils sont arrivés aux États-Unis, à l'époque où les Indiens habitaient dans ce continent, ils ont
tué les Indiens, beaucoup d'Indiens, et ils se sont amusés à exterminer les bisons. Les cow-boys prenaient leurs fusils et ils tuaient des bisons pour s'amuser. Nous, en islam, dans notre religion, nous savons que les animaux sont des créatures de Dieu. Et que si Dieu les a mis sur terre, c'est qu'ils sont importants, ils font partie d'une chaîne, une chaîne naturelle. Et que la présence de ces animaux est importante. S'ils disparaissent, ça va bouleverser l'ordre naturel et l'équilibre dans la nature, l'équilibre écologique de la nature. Chaque espèce joue un rôle. Et donc, quand on fait disparaître une espèce, d'autres espèces vont mourir parce que toutes les espèces s'entraident et certaines espèces sont une nourriture pour les autres. Ou bien certaines espèces vont nettoyer la nature. Et si elles disparaissent, ben, tout va être bouleversé. C'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les animaux. Et donc, des gens se sont amusés à tuer des bisons, mais c'est peut-être parfois, ça va être la, comment dire, ce qu'on appelle le braconnage, c'est que vous avez des gens en Afrique, pendant très longtemps, qui tuaient les éléphants pour récupérer les défenses, l'ivoire, parce que l'ivoire, la matière dont est fait vos dents, dont sont faites vos dents ou bien la corne de l'éléphant, c'est une matière qui coûte cher. C'est comme de l'or, si vous voulez. Donc, ils tuent les éléphants, ou bien parfois les rhinocéros, ou bien parfois, pour s'amuser, ils vont tuer des animaux. Ils font des safaris, des voyages comme ça dans la savane, et ils tuent les animaux pour s'amuser. Ça, c'est interdit chez nous en islam. Tu ne tues un animal que pour des raisons nécessaires, importantes, pour manger, pour te protéger, si un animal est dangereux, tu peux le tuer, ou bien parfois, quand il y a trop d'animaux et que ça crée un problème, on peut parfois en faire disparaître certains. Ou bien, parfois, on fait des expériences sur des animaux, mais pour sauver la vie des êtres humains. En tout cas, on ne fait jamais de mal, on ne retire jamais la vie d'un animal sans raison importante. On ne doit pas faire souffrir les animaux. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, vous pouvez, à Médine, dans sa ville, tuer les chiens. Les chiens qui sont dangereux, enragés. Le prophète a dit qu'il y avait des animaux qui étaient nocifs, dangereux, qu'on pouvait les tuer, comme le serpent, comme le scorpion, comme certains, les rats, qui faisaient beaucoup de problèmes. Ou bien, il a cité, ou bien un autre animal qu'on appelle le milan. Le milan, c'est une sorte de rapace, comme un petit aigle. Et ce rapace, en fait, il s'attaquait aux animaux, aux poules, aux poussins, et il faisait du mal même aux hommes, il leur volait des choses. Et vous savez, ce milan, il existe aussi en Australie. Et ils ont remarqué que les milans, ils propagent les incendies. On l'appelle aussi l'oiseau de feu. Quand il y a un incendie dans une forêt, il prend les braises, les bâtons enflammés, et il les jette à des kilomètres pour déclencher le feu dans un autre endroit de la forêt. C'est pourquoi? Pour que les insectes, les rongeurs, les petites musaraignes, les rats, les souris sortent de la forêt, se sauvent à cause du feu, et eux, ils les mangent. Donc, ils répandent le feu pour manger. Mais ça crée parfois des catastrophes. Donc, il y a des animaux comme ça qui sont dangereux. Et le prophète avait dit, vous pouvez tuer les chiens enragés. Ça fait partie des 5 animaux nuisibles à l'époque. Sauf que les gens n'ont pas bien compris. Ils ont pensé qu'il fallait tuer tous les chiens. Et quand le messager de Dieu a été mis au courant, il a dit, arrêtez, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai pas dit tuer tous les chiens. Les chiens sont une espèce, une famille. Et on n'a pas le droit de les faire disparaître. Revenons à l'histoire de Noé. Allah a dit à Noé de prendre de chaque espèce un couple. Comme ça, l'espèce ne disparaît pas. De les mettre dans le bateau, dans l'arche.
et de mettre les croyants et les membres de sa famille. Il y a eu le signal. Certains disent que c'est dans la cheminée, le feu a commencé à sortir ou la marmite à bouillir. Bref, il y a eu un signe que Noé a compris et il a compris qu'il fallait tout de suite monter dans le bateau. Et donc, il a pris sa famille, il a pris les croyants, les animaux et il est monté dans l'arche. Et la pluie a commencé à se déverser. Une pluie torrentielle qui crée des torrents, mais pas simplement l'eau du ciel, l'eau qui sort de la terre, comme des geysers, l'eau qui sort de la terre, parce qu'il y a de l'eau au fond de la terre. Il y a de l'eau au fond de la terre, il y a de l'eau dans le ciel, les nuages, mais il y a aussi beaucoup d'eau au fond de la terre. Donc l'eau est sortie de terre et est tombée du ciel, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, hein, des trombes d'eau. Et l'eau a commencé à monter, 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 le niveau de l'eau est monté, 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 monté. Le bateau a commencé à bouger et tout le monde est monté parmi les croyants et les animaux. Et là, Noé remarque que deux personnes de sa famille ne montent pas. Sa femme, mais il le savait, parce que sa femme, elle n'était pas croyante, elle n'a pas suivi son mari, elle n'a pas suivi le prophète. Et ça, c'est étrange. Normalement, la première qui devrait suivre le prophète, c'est sa femme, comme le prophète Mohammed a.s. La première qui a cru en lui, c'est qui? C'est sa femme. Mais là, Noé le pauvre, sa femme, elle n'était pas croyante. Au contraire, elle le détestait, elle lui faisait du mal. Mais ça, il le savait. Il savait que sa femme n'allait pas l'écouter, lui obéir. La grande surprise, c'est qu'il a demandé à son fils de monter. Son fils lui dit « Non, papa ». Il lui dit « Mais monte, mon fils. Je vous ai prévenu qu'il allait y avoir un déluge et que c'est une punition de Dieu. Dieu va détruire tous ces gens qui sont mauvais. Dépêche-toi. » Et son fils lui dit « Non, papa, moi, je vais suivre les autres. » Le père ne comprend pas. « Mais comment ça se fait que tu ne comprends pas ce que je te dis? Tu es croyant. » Et vous savez ce que dit le fils? Il dit « Papa, je n'ai pas besoin de monter dans l'arche. Je vais me percher au sommet de la montagne et je vais être sauvé. L'eau ne va pas arriver au sommet de la montagne quand même. » Et le père dit « Mon fils, tu ne crois pas ce que Dieu a dit? Dieu a dit que personne ne serait sauvé à moins qu'on ne monte dans le bateau. Tous les gens qui ne seront pas dans le bateau vont mourir. Tu ne crois pas en ce que Dieu dit ?» Et le fils, têtu et un peu naïf, dit « Papa, t'inquiète. T'inquiète pas, papa. Je maîtrise la situation. Je vais aller me réfugier là-haut. Il ne va rien se passer. » Et pendant qu'il était en train de tenter de convaincre son fils, une vague immense est venue emporter le fils et il est mort, englouti dans les eaux. Et là, ça a été la grande surprise pour Noé, c'est qu'il a compris à ce moment que son fils n'était pas un croyant. Il savait que sa femme n'était pas croyante, mais jamais il aurait cru que son fils l'avait trahi. Ça signifie que pendant toutes ces années, son fils lui a menti. Il lui a fait croire qu'il était croyant, qu'il le suivait, mais en cachette, il était le copain des gens méchants et qui était ennemi de son père. En fait, il a réussi à tromper son père, à le manipuler. Il avait une double vie, il avait un double discours, un double visage. Il faisait du cinéma. Et là, la vérité a éclaté. Les masques sont tombés. Et Noé va dire, « Ya Allah, mais tu m'avais promis que ma famille allait être sauvée. » Et Dieu va lui dire, « Il ne fait plus partie de ta famille. Il a choisi de quitter ta famille au sens, il n'est plus un croyant. Il a refusé. C'est lui qui s'est écarté. Tant pis pour lui. » Noé a été très triste, c'était comme un coup de poignard dans son cœur, parce qu'il a éduqué son enfant, il lui a fait confiance. Et là, son enfant
lui a prouvé que il lui avait menti, en fait. Et ça, c'est la pire des choses pour les parents. C'est que les parents s'investissent, font des efforts pour bien éduquer leurs enfants, et les enfants ne les suivent pas, ne les écoutent pas, ne leur obéissent pas. Ils suivent un autre chemin. Ça, c'est la pire des choses pour un parent. Si tu veux que tes parents soient tristes, si tu veux que tes parents pleurent la nuit dans leur lit, si tu veux que tes parents tombent malades, alors fais le contraire de ce qu'ils t'ont enseigné. Alors, dis-leur quelque chose à la maison et fais le contraire à l'école. Montre une bonne image quand tu es devant eux, et quand tu es derrière eux, fais tout le contraire. Là, tu vas détruire tes parents. Moi, je me souviens d'un papa qui est venu me voir à la mosquée. Il était complètement dépité, abattu, triste. Il m'a dit « Parle à mes deux fils, s'il te plaît. » Bon, l'un avait peut-être 19 ans, l'autre avait 17 ans. Il m'a dit « Moi, je travaille le week-end. Et je fais confiance à mes enfants. » Je leur ai dit ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ils sont grands maintenant. Et voilà qu'un samedi, exceptionnellement, je ne travaille pas. Je reviens du travail, en fait. Et je suis passé au magasin. Je ne sais plus si c'était Auchan, peut-être Auchan. Et pendant que je marchais dans les galeries, je vois de loin mes deux fils. Et ils sont avec une fille. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je pensais qu'ils ne devaient pas sortir de la maison faire leurs devoirs. Et il les suit en cachette. Et ils montent tous les trois dans la voiture. Et là, il a compris que, en fait, ils étaient en train de faire une bêtise. Et il arrive au niveau de la voiture, il demande à la fille de partir, et il dit à ses enfants, « Qu'est-ce que ça signifie, ça ?» Alors les enfants, ils avaient la tête baissée, ils étaient rouges de honte. Il me les a ramenés pour leur parler. Et je leur ai parlé. Je leur ai dit, « Vous voyez, Allah a voulu que votre père, ce jour-là, ne travaille pas. Que ce jour-là, il aille à Auchan. Et que à ce moment, vous vous croisiez. Vous savez pourquoi ? Parce que Allah, il vous aime. Il ne veut pas vous laisser dans ce mauvais chemin. Il veut vous sortir de là. Donc arrêtez, demandez pardon à papa et reprenez-vous en main. » Alhamdoulilah, ils ont été sauvés. Mais parfois, il y a des gens, il leur arrive ce qui est arrivé à Noé, au fils de Noé. Je me souviens, dans une ville dans le nord de la France, il y a un père qui travaillait de nuit. Évidemment, il a interdit à ses enfants de sortir la nuit. Il leur faisait confiance. Mais son plus grand fils ouvrait la fenêtre de sa chambre, il sautait et il partait avec ses copains traîner dans les rues. Et un soir, il est rentré dans une usine abandonnée. Et ils ont allumé un feu dans une pièce. Et dans l'usine, il y avait des produits toxiques qui étaient là stockés. Et ça a pris feu. Et il y a eu des échappées de gaz dangereux, toxiques, un poison. Ils ont eu peur et dans la panique et dans le noir et dans cette immense usine, ils se sont perdus dans une pièce. Ils n'arrivaient plus à sortir. Et la fumée était en train d'arriver. Et ils toussaient, ils s'étouffaient. Le fils a eu le temps de prendre le téléphone, d'appeler son père et de lui demander pardon. « Papa, 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 voilà ce qui se passe. Je suis désolé, je t'ai menti, je ne suis pas à la maison et le pauvre, il va mourir dans ces conditions. » Je me souviens d'une maman, pendant le ramadan, il y a 3-4 ans, elle est venue me voir en pleurant. Elle m'a dit « Je viens de surprendre mon fils avec ses copains en train de fumer, en plein ramadan. » Elle ne savait pas qu'il fumait et elle ne s'attendait absolument pas qu'il rompt son ramadan de cette manière. Je suis parti, j'ai rencontré le jeune. Je lui ai parlé. Je lui ai dit « Ça fait combien de temps que tu fumes ?» Il m'a dit « Ça fait 4 ans que je fume. » Ça veut dire que ça fait 4 ans qu'il ment à sa mère. 4 ans qu'il prend de l'argent de sa mère en cachette pour acheter des cigarettes. Qu'il détruit sa santé depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il joue un jeu. Mais je lui ai dit, Alhamdoulilah, tu as été pris en flagrant délit, c'est pour que tu changes. Mais il n'a pas voulu comprendre. Et il a été plus loin dans ses bêtises jusqu'à consommer de la drogue.
Et il y a à peu près un an, il s'est fait attraper par la police et il devait aller en prison. Mais finalement, il y a à peine 2 mois, il a été finalement relaxé et là, il s'est remis dans le droit chemin. Il travaille, il a compris sa douleur et là, il commence à revenir dans le droit chemin. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'il ait fait souffrir sa maman pendant autant d'années. C'est quand même dommage, alors qu'il est le grand frère, qu'il ait montré le mauvais exemple à ses petites sœurs et à son petit frère. Donc attention de ne pas être comme le fils de Noé, de ne pas désobéir à nos parents. Quand nos parents nous disent quelque chose, c'est qu'ils nous aiment, ils veulent nous protéger. Ils veulent nous protéger, pas d'une vague qui va nous emporter, mais de la drogue qui peut nous emporter, de la cigarette, de la délinquance, du vol. Bref, de beaucoup de choses qui sont dangereuses. Il faut arrêter de croire qu'on sait mieux que nos parents. Comme Noé, comme le fils de Noé, il a dit, papa, t'inquiète pas, moi je vais monter sur la montagne, tout va bien se passer. Comme certains jeunes qui disent, non, non, mais t'inquiète pas, moi je sais bien rouler en moto. Moi je sais bien rouler en voiture. J'ai pas de problème. Puis à la fin, il y a un accident. Bon, vous aurez compris que l'histoire de Noé, c'est une histoire qui nous parle à nous. Au final, Noé a compris et Allah va faire descendre l'eau dans la terre, le ciel va arrêter de pleuvoir et l'arche de Noé va se poser sur une montagne qui s'appelle Joudéi. Et Allah a dit dans le Coran qu'il a laissé ce bateau et cette montagne pour qu'un jour on les découvre et que ça soit une preuve que Noé a existé et que son histoire est vraie. Et apparemment, ils ont découvert des restes de ce bateau, de cette arche, dans une montagne en Turquie. Je crois que c'est la montagne de Hara ou Arara. Il y a quelques années, ils ont trouvé tout en haut d'une montagne les poutres du bateau qui sont conservées parce que c'était gelé et même la forme de là où s'est posé le bateau. Donc c'est peut-être la réalisation de la promesse de Dieu, peut-être, ou alors c'est simplement autre chose, mais il semble que ça soit l'arche, ou en tout cas les restes de l'arche, qui soient là-bas. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube et voir les images. Dernière chose, il y a quelque chose qui m'a échappé que je voulais vous dire. Ah oui, voilà. Noé avait plusieurs fils. Le prophète nous a dit qu'avant de mourir, Noé alayhi salam a donné des conseils à son fils. Il lui a dit de mourir en adorant un Dieu unique et il lui a dit que la meilleure parole que l'on puisse dire, qui est aux yeux de Dieu encore plus lourde et plus importante que les cieux et la terre, c'est la ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a créés. Un seul Dieu qui mérite d'être adoré, un seul Dieu qui mérite d'être obéi. Donc, il avait d'autres enfants qui ont bien terminé leur vie, et lui, il décédera, donc âgé de plus de 1000 ans. Et c'est un très, très grand prophète, c'est l'un des 5 grands prophètes qui ont fait preuve d'une grande patience dans leur vie. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Il est temps maintenant de vous entendre parler si vous avez des choses à dire.